Salut les joueurs! Alors, changement un petit peu d'optique sur la chaîne. Là, je suis en compagnie de Marianne, de la team Orcusa. Donc, quelques petits mots sur la team avant de vous faire parler. Bonjour Marianne. C'est vous dire qu'en fait, là, c'est un coup de cœur, un sacré coup de cœur. Et j'espère que pour nos amis joueurs, ça pourrait changer les choses. Présentons la team. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, nous, c'est Orcusa. Enchantée. Donc, notre but dans le monde du jeu vidéo, c'est de le rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Donc, en prêtant le matériel qui est disponible, par exemple, la Xbox a préparé une manette accessible, mais aussi en les créant nous-mêmes de toutes parts grâce à l'impression 3D. Ouais. Donc, grâce à tous ces petits moyens, grâce au bricolage, on va réussir à rendre le jeu vidéo accessible et pouvoir permettre à une personne handicapée de jouer. Alors concrètement, en fait, là, on voit Léopoldine en train de jouer. Mais regardez, elle n'a rien dans les mains. Elle ne travaille qu'avec la bouche. C'est ça, Marianne, tu me confirmes ? C'est ça, avec la bouche. Et elle ouvre la bouche pour lancer les objets à Mario Kart. Exact. Donc en fait, c'est magique en fait, c'est quasiment de la magie. Il y a besoin de paramétrage, de beaucoup de paramétrage pour faire tout ça? Alors à savoir que c'est quelque chose qui est disponible sur internet et niveau paramétrage, le seul problème c'est que c'est en anglais. Mais oui, sinon c'est super simple à paramétrer. Mm-hmm. Nous on utilise une caméra, mais avec une caméra de PC c'est totalement faisable. Oui. Le seul paramétrage que nous on a pris en compte c'est qu'on utilise la Switch. Donc on va utiliser un Titan afin d'adapter la Switch au PC pour ensuite pouvoir jouer. D'accord, mais c'est extraordinaire, cela vous permettait à plein de personnes de pouvoir de nouveau faire des choses extraordinaires. C'est génial. C'est le but. C'est une association qui se trouve à quel endroit? Alors nous on est principalement basé dans le nord, oui, du côté de Hordain. D'accord. Donc c'est là qu'on est basé, mais on peut se déplacer en fonction de ce que la personne a besoin. On va aller du côté de Paris, du côté de Reims, du côté de la Belgique, tous les alentours, c'est possible. D'accord, super. Je vois derrière moi une imprimante 3D, des drôles d'objets. C'est pour quelle utilisation? En fait, on a notre boîtier de joystick. Oui. Et donc, toutes les impressions 3D, c'est parce que la poignée est interchangeable. Par exemple, si la personne a le poing serré, on va peut-être utiliser un joystick en forme longue comme ça. Comme ça, elle pourra utiliser. Si la personne a l'inverse, une main plate, on va utiliser un joystick comme ça pour qu'elle puisse juste poser et mettre sur les côtés. Ça va travailler l'ergonomie pour les personnes qui auraient un tout petit peu de mouvement possible et donc travaille aussi. C'est ça, aussi la sensibilité. Possible. C'est génial. Là, on trouve un petit peu sur les autres stands, enfin sur l'autre endroit de votre stand, c'est pareil, là on a les caméras, c'est ça. Je vois derrière les joysticks pour l'utilisation. C'est ça, donc là ça va être, on mixe un petit peu ce qui se trouve sur le marché et nos petites créations. D'accord. Donc là, ce qu'on peut voir, ça va être un joystick hypersensible pour les personnes qui n'ont pas forcément de force pour appuyer sur le joystick. Tenir les choses, oui bien sûr, hein. C'est extraordinaire. Merci. Eh bien écoutez, grand merci. Alors on rappelle pour vous trouver, parce que je pense que c'est important. Donc c'est à Team Orcusa, c'est bien ça, O-R-C-U-S-A. Ça va être sur, il y a tous nos réseaux qui sont là-bas, donc Facebook ça va être Orcusa. Oui. Instagram ça va être Orcusa-off. Oui. Pour Twitter. Donc X maintenant. X, exact. Orcusa 2. 2, oui. Et notre site, si jamais vous avez d'autres besoins particuliers. C'est extraordinaire. Bah, écoutez, la vidéo va passer très très vite, je vous le garantis, peut-être même plus que vite. Parce que vraiment, je suis conquis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, il est temps de se dire au revoir. Encore merci. Salut les joueurs.